fell asleep in the deep night. The ghost of dreams and past memories overwhelmed her. Meanwhile, in outer space, driving his P-1800 Volvo, Ziggy started to hear the sound. Marco? Salut, ça va? Je suis en jus. Oh les gars! Oh! Allô Ziggy, ça va? Ça va mon pote? Un petit bruit? J'en peux plus! Et voilà deux assiettes de charcuterie. Bon appétit, messieurs, dames. You choose something? Ziggy, qu'est-ce que tu fous là? Je suis ferme en fait. Qu'est-ce que je t'ai demandé à toi? J'avoue que j'ai un trou là. Ah, t'as un trou? Je t'ai demandé deux poils pour les deux anglais, plus une autre pour la dorade. Voilà, une poêle pour maman, une poêle pour papa, hein? Marc, c'était avec quoi les anglais? Thierry, il y a le concert demain, j'espère que t'as pas oublié. Attends, c'est à quelle heure? C'est à 10h. Ouais, mais ça va être difficile, hein. Poil pour Tati. Putain, essaye de passer après le service. Ouais, hein. T'as vu, on est à la bourre tout le temps, là, c'est l'enfer. Tu veux pas venir, toi? Ouais. Ah ouais, j'aimerais bien. Je te mets sur la liste, direct. Bien sûr, tu vas le mettre sur la liste. T'as un arrêt maladie? Il est fou, hein. Marc? Ouais. C'est quoi, ça? Trois tournes d'eau? Ouais, trois tournes d'eau à point. Tu sais que je les fais pas à point, les trois tournes d'eau. Les tournes d'eau, je les fais bleues, uniquement bleues. Je sais, des américaines. Mais je m'en branle, que ce soit des américaines, elles vont apprendre à bouffer. Tu leur dis bleu ou c'est rien, c'est tout. Ok, je vais leur dire. C'est ça, je vais la manger comme j'aime, moi. Mais attends, ça sert à quoi sinon? Qu'est-ce qu'il croit, lui? Je me lève tous les matins, je me casse le cul toute la journée, je me couche à 2 du mat pour faire des trucs qui me plaisent pas, ça va pas ou quoi? Ouais, c'est ça, le truc américain. T'as raison, Thierry. Mais non, t'as bouffé? Non. Tu veux manger un truc? Un petit plat vite fait derrière, ouais. Ok. Tu bois un coup en attendant? Petit Côte du Rhône. Marc? Ouais? Tu sers un Côte du pour l'ami. Ça marche? Allez, Boogie, va mettre le couvert. Là. Oh putain! Allez. Tu sais que j'ai appris des nouveaux pas de danse? Des trucs qui viennent des United States. Des trucs de malade. Vas-y, montre-moi. Non, mais j'ai peur de te faire mal aux yeux. Fais-moi un petit pas. T'es sûr? Alors, moderato le tempo. Tu prends. Voilà. Tu te rappelles de Marie? Quand on s'est connus, quand on s'est rencontrés tous les deux. J'étais avec une fille, elle s'appelait Marie. Ah oui, d'accord, ouais. Elle était partie en voyage. Un petit tour du monde, tu vois, aller voir du pays. Mais bon, quand elle est partie, c'est pas vraiment fini entre nous, tu sais. Jamais été clair, quoi. Elle est partie. Et puis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai revu aujourd'hui. Ah ouais, voilà. Ça faisait 5 ans que tu l'as pas vu, t'as envie de meuf, t'as pas vu, d'accord. Ça fait 5 piches que je l'ai pas vu. Je la vois passer comme ça par hasard, j'étais sur les quais. Comme une apparition, la fille, elle est arrivée comme ça, ça fait 5 piches que je l'ai pas vu. Magnifique. Elle est belle, hein. Ça fait drôle, la roi. Attends, cette meuf-là, c'est pas... Elle s'est barrée, c'est toi, tu voulais qu'elle se barre, je sais plus, il y a un truc comme ça, t'étais content qu'elle se barre? Bah non, elle est partie, j'ai pas su la retenir, quoi, c'est surtout ça, tu vois.
Moi, j'étais un peu dans tous les sens à l'époque. Je savais pas vraiment que j'étais amoureux d'elle, en fait. T'es commencé, quoi. T'as une... Bon, elle est partie, ok, vas-y. Attends, tu l'as pas vue pendant 5 ans et t'es toujours amoureux d'elle? C'est pas possible. Enfin, moi, c'est un truc qui pourrait pas m'arriver. La nana, tu la vois pas pendant 5 ans et t'y penses toujours. Bah, je l'avais dans la peau, mec. T'es déjà tombé amoureux, Bouli. C'est connerie, ça, l'amour. On la voit pas, ta meuf. C'est vrai, je la connais pas. Non, en vrai, comment elle s'appelle? J'ai pas de meuf. Bon, en fait, t'es amoureux, quoi. T'es amoureux maintenant. Peut-être t'étais pas amoureux il y a 5 ans, t'étais amoureux maintenant. Ah, tu sais, c'est quand elle est partie que je me suis rendu compte que je pouvais pas me passer d'elle. Et elle est pas revenue, quoi. Elle devait partir 3 mois au départ, hein. C'est ça, l'histoire. Ah oui, d'accord. C'est genre séparation, on prend 2 mois, 2-3 mois, on prend du recul et tout ça, et elle est partie 5 piges. Mais c'est bizarre, pourquoi tu m'as jamais parlé de ça? Ça fait 5 ans, tu me parles pas de cette meuf, tout d'un coup tu la recroises, tu me parles d'elle. Ah, tu sais, tiens, il y a des histoires que tu gardes en toi, quoi. Il y a des trucs que tu... T'es où, là, en ce moment, toi? Sur l'hôtel. Je suis fragile comme une fleur, fragile comme la soie. J'ai besoin de toi. Je ne tarderai pas mon cœur, glisse-toi dans les draps. Mais surtout ne t'endors pas, parce que ce soir tu vas prendre. Oh, tu vas prendre. Je vais t'en mettre pour 10 ans, tu le raconteras à tes enfants. Oh, tu vas prendre. Tu vas prendre. J'espère que t'es véhiculé, parce que tu pourras plus marcher. Oh, tu vas prendre.